Oyez, oyez! Me voilà pour une nouvelle vidéo, les enfants. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est pour un tout petit haul parce que quand je sors, c'est jamais trop long. Donc, je ne sors pas longtemps. En général, 1 heure ou le plus que j'ai fait, c'est 2 heures et demie, mais je finis en compote. Donc là, je vais vous montrer les petites quelque chose que j'ai, quelques petits trucs que j'ai achetés. Donc voilà, je patine. Donc on va commencer par comment ça s'appelle? Un peu de course. Donc là, pour vous expliquer, j'ai acheté ces deux produits chez Cora. C'est des olives. Et au début, j'avais pris une boîte comme ça, mais d'une autre marque, qui coûtait 4 euros. Et au final, quand j'ai traversé le magasin, je me rends compte de l'autre côté des rayons frais, il y avait ceux-là qui étaient moins chers. Donc là, c'était 2,09 € à peu près. Et j'ai eu deux boîtes. Donc voilà. Donc faites attention, regardez quand vous cherchez vos olives. Donc j'ai pris un au fromage, donc feta, dedans. Et celui-là avec olive noire et olive verte. Donc voilà. Et j'ai payé 4 euros. J'ai juste eu 18 centimes en plus par rapport à l'autre qui était à 3,99 €. Donc voilà. Donc ça, ensuite. Ensuite, j'ai acheté ce. Oh, c'est lourd. Vous allez dire, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai acheté ceci. Donc, pour ceux qui reconnaissent le paquet, ce sont des boîtes de maquereau. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y en a 12 dedans. Et j'ai payé les 12, 15 euros. C'est-à-dire 14 euros et quelques. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Et chez Cora que j'ai acheté ça. Donc, j'ai pris tout ça. Donc, ça fait à peu près même pas. Ça fait 1,20 € par là, la boîte de conserve. En sachant que quand vous achetez 3, ça vous coûte 5 euros et quelques déjà 3. Dans les magasins. Donc là, c'était 15 euros les. Donc, c'était pris 3 boîtes gratuites. Mais j'ai payé 14 euros et quelques. Donc, comme Mélanie est végétarienne, donc ça sera une partie pour Mélanie. Donc voilà. Ensuite, en promo, ce que j'ai eu, ce sont les deux boîtes de céréales. Ceci. Donc, pourquoi il y en a deux? Ça, c'est Mélanie, ça, c'est Bibi. Donc, ça coûte à peu près 4 euros et quelques l'unité. Et vous savez que les boîtes de céréales, moi, j'achète seulement quand c'est en promotion. Ou sauf si c'est l'extrême, les filles disent, maman, tu avais faim. Donc, je vais acheter, mais en général, ça coûte la peau des fesses. Donc, là, il y avait moins 60% sur le deuxième. Et vous pouvez prendre des différentes variétés. C'est toujours chez quoi? Donc, je regrette de n'avoir pas pris deux. En tout cas. Donc, j'ai plus que deux comme ça, mais je pense que je vais retourner. Donc, celui-là, j'ai payé 4 euros et quelques. Et celui-là, j'ai payé 1 euro et quelques. Donc, pourquoi je vous parle de ça? N'oubliez pas de vérifier vos tickets à la fin. Parce que je suis partie, mais comme j'avais mal au bide, donc je suis partie pressée. Et après, je dis à Nanou, je ne pense pas qu'ils ont retiré les trucs. J'ai regardé, non, ils n'avaient pas retiré. Donc, du coup, j'ai été. La dame, elle a pris le ticket dans mes mains parce que chez Koa, il y a une dame qui est en roller, donc elle s'occupe de ça. Donc, elle a pris le ticket, je suis restée assise. Elle a été voir. Et sachez qu'elle m'a rendu 3,99 €. Donc, c'est pas négligeable. Donc, si j'ai pas fait attention, la promo, j'aurais pas profité de la promo. Donc, elle m'a rendu quand même 3,99 €. Donc, vérifiez bien vos tickets, les enfants. Donc, ça, c'est chez Koa. Donc, c'est une bonne affaire qui est en ce moment. Ensuite, je vais vous parler de ce jus-là que j'ai acheté chez Carrefour quand j'étais malade. C'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir du tout. Donc, c'est Nanou qui choisissait mes trucs. Donc, il m'avait dit lecci et goyave. Mais c'est écrit pomme, lecci et goyave. Ce n'est pas pareil du tout. C'est pas bon du tout. Lui-même, qui boit tout, n'a pas réussi à le boire. Donc, ça, on va le jeter. Je jette très rarement, mais ce n'était pas bon du tout. Donc, je me suis forcée à boire une partie et le reste, on va le jeter. Donc, c'est pomme, litchi et goya. Vous allez me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé. Mais sinon, c'est vraiment une bonne marque, hein, celui-là. La sélection de Carrefour, là, c'est du top, les autres jus. Mais ce mélange-là, pomme, litchi et goyave, là, il n'est pas bon. Donc, non, non, c'est pas bon du tout. Ensuite, on va aller avec ceci. Ah. Donc, là, c'est une boîte machine à café. Donc, pour ceux qui connaissent. Donc, je l'ai payé 0 euros. Parce que j'ai été pour acheter
Enfin, pour payer l'assurance de Mélanie, parce que Mélanie va à l'université, donc j'ai été payer l'assurance de l'appartement, qui est quand même de 46 euros l'année. Donc j'ai payé. La dame m'a dit, on va vous donner une machine à café. Mais j'avais déjà été avant demander. Et après, quand je suis revenue, j'ai dit, vous n'avez pas oublié quelque chose? Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Donc elle m'a donné la machine à café. Mais bon, d'office, la machine à café, je l'ai eu comment? On a vu plein de machines à café à côté, on lui a, et je montrais Nanou, et puis du coup, la dame me dit, Nanou dit, tout fort, oh, on va avoir une machine à café. Et la dame, elle n'a rien dit. Et ensuite, après, Fortin nous a dit, vous l'aurez quand vous viendrez payer. Payer la somme, parce que comme il nous manquait un papier, et aujourd'hui, je suis retournée, une collègue m'a emmenée, comme je pour l'instant, je ne peux pas conduire toute seule trop longtemps. Donc, ma collègue m'a emmenée, et j'ai récupéré ça. Elle n'allait pas me le donner, elle avait déjà oublié. Hein. Je lui ai fait penser à ça. Donc, même si j'en ai déjà une, c'est pas négligeable d'avoir une machine à café gratuite. De toute manière, l'assurance, il fallait que je la paye. Donc, j'ai eu un bonus. Donc, c'est chez AXA. Donc, on va continuer avec Noz. Donc, Noz, j'ai acheté ceci pour Nanou. Donc, j'ai payé ça 1,30 €. Donc, ça va jusqu'au 18 septembre. Donc, il aura le temps de le manger. Ensuite, là, ce sont des boissons que je veux tester chez Noz, 26 centimes. Donc, 26 centimes, voilà la marque. Melon et framboise. Franchement, je n'aime pas le melon, mais on va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai acheté ça. Hein, c'est tout ça que je voulais goûter. C'est du jus de poire. Quand j'étais malade, c'est ce que je buvais beaucoup parce que. Vu que je ne pouvais pas faire manger moi-même. Et les jus épais, ça vous nourrit des fois. Donc voilà, j'ai dû payer ça. Je ne m'appelle plus. Peut-être 1 €, je ne me rappelle plus. Ensuite, j'ai acheté ceci chez Noz, toujours chez Noz. Donc c'est une bonne marque, un cœur d'artichaut. Ça coûte très cher normalement et j'ai payé 2,49 €. Et c'est à l'huile. Je sais que c'est écœurant l'huile, mais je l'adore à l'huile. Dans les magasins, ça coûte encore plus cher. Donc j'ai acheté ce petit eau. Donc voilà. Donc elle résistait aussi en rose. Et je l'ai payé 99 centimes. Et je l'ai acheté, c'est pour mettre en dessous d'un body qui est transparent. J'ai acheté ça aussi chez Noz. 1,82 €. Donc voilà. Relax sexe. Gel. Ça sent bon, hein, les filles. Et en sachant que ceux qui sont là avec moi depuis longtemps, à un moment donné, j'avais plus de 40 gels douche dans mon placard. C'est abusé. Et là, le stock, il est fini. Donc là, je recommence à acheter du gel douche parce que j'en ai plus. Donc voilà, à part ceux qui pour le concours. Pour les concours. J'ai acheté ceci aussi. Je ne vois pas l'utilité, mais je voulais tester. Donc c'est du jus, c'est de l'eau citronnée. Aux plantes aussi. De chez Evian et ça coûte 79 centimes. C'est aussi cher aussi. Ensuite, je vais continuer avec Action. J'ai pas grand chose. J'ai acheté 100 pommeaux chez Action. Donc là, pareil, j'ai pas pu rester longtemps chez Action parce que je commence à peine à sortir. Donc j'ai des bouffées de chaleur. On dirait que je vais devenir monoposée. Voilà. Donc j'en ai acheté deux. Un pour moi, un pour Lorraine. Donc, ils étaient à 1,99 € au lieu de 3 €, je crois. J'ai pris le noir aussi, parce que ce sont des basiques pour le boulot et pour Bibi aussi, pour l'école. Donc, voilà, j'en ai pris deux. J'ai pris taille S pour Bibi et taille M pour moi, parce que ça évitera qu'elle prenne mes vêtements. Ensuite, j'étais chez Gosport, mais Gosport, de chez nous, c'est en mode, ça ferme. Donc j'ai acheté des brassières ou brassières, je sais pas comment on dit. Donc voilà. Normalement, c'est écrit 1 €. J'ai pas compris ce que la dame elle a fait, mais c'est écrit 1 €. No comprinos, no rien comprenos. Donc c'était écrit 1 € l'article. J'ai pris ça. Donc voilà. J'ai pris ceci. Merci Nanou.
J'ai pris ceci. C'est pas une culotte, hein? C'est pas un string. Hein? C'est un haut comme ceci. Attends. Là, je suis un peu empotée. Okay. Comme ceci. Voilà. Et derrière, il est comme ça. Donc, je l'ai pris pour Bibi. Mais ça rentre sur moi. Donc, je vais vous le montrer, mais ça rentre sur moi. Donc, les enfants sont difficiles. Mais je lui ai pris ça parce que j'aime bien quand les filles mettent leur débardeur. Qu'on ne voit pas trop leur soutien. C'est un truc qui m'énerve. Et j'ai acheté ça. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour offrir à mes nièces. Donc, voilà. Donc, c'est l'ensemble. Voilà. Et le shorty. Donc, ça fait l'ensemble. Donc, j'ai dit, je vais le prendre quand même. Ça coûte rien. Enfin, oui, ça coûte pas cher. Voilà ce que je veux dire. Et pour les quatre articles, les filles. Là, franchement, les quatre articles, je les ai eus. La dame m'a fait payer 2 euros. Elle m'a dit 2 articles achetés, 1 offert. Enfin, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai payé 2 euros au lieu de 4 euros. Voilà. Parce que moi, j'avais vu 1 euro par article. Donc voilà, c'est pas cher du tout. Donc il y a d'autres choses, il y a plein de maillots de bain grande taille pour ceux qui sont un peu plus costauds. T'as beaucoup de slips aussi, de bikini, sauf que c'est pas ma taille, c'est 42, 40, 46, 44. Donc voilà, sinon j'aurais pris pour moi aussi. Et puis comme je vous ai dit, je me répète encore, j'arrive pas à rester longtemps dans les magasins. Donc, comme je commence à bouger, bouger maintenant, c'est pas pareil qu'avant. Mais ça va venir, d'accord? Ça va venir. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les enfants. Si tu as oublié ta cloche, mets ta cloche. Si tu veux, si t'aimes, tu likes. Si t'aimes pas, tu likes dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.